J'ai commencé à danser par hasard. J'ai commencé à 24 ans et puis je vais en avoir 64, donc 40 ans. En danse, les danseurs vont s'arrêter autour à la fin de la quarantaine, sinon avant. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses que le corps peut raconter à un certain âge. Comme je crois beaucoup à la poésie du corps vieillissant, je pense que les danseurs plus âgés ont des corps qui sont chargés d'expérience. Et je pense que les spectateurs perçoivent toute cette histoire dont ces personnes sont chargées. Avec Malcolm, qui a une dizaine d'années de plus que moi, j'ai eu envie de partager ce moment où on se pose beaucoup de questions sur est-ce que je dois continuer, est-ce que ce que je fais est toujours pertinent. La pièce sur laquelle je travaille s'intitule Vertige. Donc, il y a une forme de vertige qui vient avec l'âge. L'horizon, la ligne d'horizon se rapproche et j'ai l'impression que le jour où je vais toucher la ligne d'horizon du doigt, ça sera la fin. C'est pas de la tristesse, c'est pas des regrets, c'est une progression vers je ne sais pas quoi encore. Je me dis que la danse que je ferai sera sans doute meilleure que celle que j'ai faite. Et si on ne croyait pas à ça, on arrêterait.